Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. Le cas que nous allons traiter est le suivant. Le 1er janvier N, notre entreprise achète un matériel industriel d'une valeur globale de 140 000 euros hors taxes, d'une durée de vie de 6 ans, comportant un moteur d'une valeur de 25 000 euros hors taxes qui doit être remplacé tous les 3 ans. La valeur résiduelle est nulle. L'entreprise ayant l'habitude de payer systématiquement au comptant par chèque bancaire, le fournisseur lui accorde un escompte de 3%. Nous allons enregistrer ces acquisitions dans le journal de l'entreprise, calculer la charge annuelle d'amortissement à enregistrer à la fin de chaque exercice comptable, puis passer l'écriture pour l'année N. Enfin, dans une dernière partie, nous allons comparer les charges calculées avec la réglementation comptable antérieure au 1er janvier 2005 et la réglementation comptable postérieure à cette date. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice avec le fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons enregistrer les écritures d'acquisition. Donc le 1er janvier N, nous allons enregistrer l'acquisition de la machine ainsi que l'acquisition du premier moteur. Nous allons donc distinguer dans notre comptabilité l'acquisition de la machine proprement dite dans le compte 215-41 et l'acquisition du moteur dans le compte 215-42. Pour trouver les montants, nous allons prendre la valeur brute, c'est-à-dire 140 000 euros moins 25 000, donc 115 000 pour le matériel industriel, auquel nous allons soustraire l'escompte de 3%. Pour le moteur, celui-ci a une valeur de 25 000 euros moins les 3% d'escompte, c'est-à-dire 24 250. La TVA est déductible sur immobilisation et comme le paiement se fait par chèque, nous créditons la banque. Le 1er janvier N plus 3 interviendra l'acquisition du second moteur. Le principe est donc le même. Nous enregistrons 24 250 euros, qui est le net financier dans le compte 215-42, avec la TVA sur immobilisation correspondante et le flux monétaire de sortie comptant. Deuxième question. Nous devons calculer la charge d'amortissement à enregistrer à la fin de chaque exercice comptable, dans le cas d'un amortissement linéaire. Eh bien, pour la machine hors moteur, la base d'amortissement est celle que nous avons enregistrée dans l'écriture d'acquisition, 111 550, que nous multiplions par 1 sixième, puisque l'amortissement est fait sur 6 ans. Pour le moteur, nous reprenons la base d'amortissement enregistrée dans nos écritures, et nous multiplions par un taux d'amortissement de 1 tiers, puisque l'amortissement se fait sur 3 ans. Nous pouvons alors enregistrer ces annuités d'amortissement de la manière suivante, en débitant le compte 6811 et en créditant les comptes 28-15-41 et 28-15-42 pour le montant des annuités calculées précédemment. Troisième question, nous allons comparer les charges d'amortissement avant et après l'instauration des nouvelles règles comptables le 1er janvier 2005. En observant les anciennes règles comptables, nous n'avions pas à distinguer les différents composants de l'actif. Par conséquent, nous allons amortir globalement sur une durée de 6 ans l'ensemble du matériel industriel, moteur compris. Notre base d'amortissement est donc la valeur de notre matériel 140 000 de laquelle nous retranchons la valeur de l'escompte, et nous multiplions cette base d'amortissement par le taux d'amortissement 1 sixième. Par conséquent, avec l'ancienne réglementation comptable, notre charge d'amortissement aurait été de 22 633,33 euros chaque année. C'est ce que nous allons reporter dans la quatrième question sur la première ligne. Simplement, en N plus 3, nous n'oublions pas d'ajouter la valeur du deuxième moteur que nous allons acheter, qui alors
aurait été enregistré en charge puisqu'il ne prolongeait pas la durée de vie de l'actif. En revanche, avec les nouvelles règles comptables, nous avons calculé précédemment que notre annuité d'amortissement s'élèverait à 26 675 euros. Dans les deux cas, le total des charges engagées sur la période, nous pouvons le vérifier, atteint 160 050 euros. En revanche, les charges ne sont pas réparties de la même manière. Elles sont réparties de manière plus uniforme grâce aux nouvelles normes comptables applicables depuis 2005.